et aujourd'hui je vous retrouve pour le déballage d'une toile que j'ai reçue de AliExpress. Alors c'est un DP de la compagnie ou du vendeur Evershine Official Store. C'était une de mes abonnées, je pense, qui m'avait demandé de tester les DP de cette compagnie. Et je pense que c'est pareil que Huacan. Hein. Je pense que Huacan, Evershine, c'est la même chose. Je l'ai commandé pour faire une revue pour la personne, mais j'ai déjà fait un Huacan et c'était un vrai désastre. J'ai des diamants qui ont popé partout, ça m'a pris 6 mois, je pense. C'était vraiment pas une expérience agréable, mais je me suis dit, ben, la personne veut que je teste, je vais tester et lui donner mon retour. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi pour l'image? J'ai choisi, bien évidemment, vous savez que pour moi, les droits d'auteur, c'est très important et j'ai pas envie de recevoir une violation de droits d'auteur sur YouTube non plus. Donc ça, c'est une image de John William Godward. J'en ai déjà parlé de cet artiste sur la chaîne, donc je ne vais pas en reparler. Mais toutes ces images font partie du domaine public. Donc en fait, ben, c'est ça. On peut les utiliser dans un cadre commercial ou même sur YouTube, hein, sur les réseaux sociaux, tout ça. Et le nom qu'il a donné à cette image, c'est Pyralis. Alors, je ne me rappelle pas si je l'ai rogné. Je pense l'avoir rogné. Je ne sais plus de quel côté, mais j'ai voulu avoir vraiment son visage. Donc ça va du diamant carré en 40 par 50. Et le prix pour une 40 par 50, c'était 14,77 $. C'était vraiment pas cher. Commandé le 22 juillet, envoyé le 29 juillet, mais je ne l'ai pas reçu avant le 20 octobre. Donc ça a pris 3 mois. 3 mois pour arriver. Alors voilà comment ça se présente dans un de ces sacs type poubelle là. Donc je vais ouvrir ça. J'ai reconnu d'après le numéro de suivi en fait hein, que j'avais sur le de l'autre côté de la boîte. Ok, je vais enlever ça. Je vais juste aller me laver les mains aussi et je reviens vers vous. Alors, la boîte est dans un état pitoyable. Parce qu'ils l'ont pas bien emballé. Enfin, je veux dire, il aurait dû avoir une boîte extérieure. Regardez ça. Et je pense que c'est de la colle double face. Donc, ça me fait peur. Je vous mettrai sous la vidéo le lien vers une image de haute résolution de cet artiste-là. Si vous souhaitez la faire faire en perso aussi. Voilà les diamants. Les couleurs sont jolies. C'est une des raisons aussi pour la. Oh my god. Ouais, ça fait longtemps que je n'ai pas reçu du double face. Ah, et le tourquette qui est là. La boîte, elle va au recyclage. C'est même pas une question. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le tourquette? Il y a ça, que je ne sais toujours pas qu'est-ce que c'est. Il y a marqué Love dessus. Je pense que c'est un. Je pense que c'est à mettre autour du poignet, mais. Comme ça. On a dans le tourquette, je ne vais même pas l'ouvrir parce que ben, on voit tout ce qu'il y a là, mais il y a deux beaux morceaux de cire et ils sont bien opaques. Donc ça, c'est de la cire de bonne qualité. Un petit plateau, un stylet en bout simple, la mousse, et là on a un bout de 4. Et ça, ben. Je me demande si c'est pas un embout de 12. Et je crois que ouais, on a des pinces qui sont très 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 pointues, comme vous pouvez voir à travers. J'ai même pas besoin de l'ouvrir. On a un bon truquet là. Je veux dire, il n'est pas si mal que ça. La toile. Aïe aïe aïe, ça me fait peur. Vous voyez pourquoi je commande presque plus en fait sur AliExpress. C'est parce que ben colle double face comme ça là. C'est toujours un carnage. Toujours un carnage. Parce qu'ils prennent pas le soin de bien les emballer. Ça doit coûter trop cher. Donc, ils vont pour l'option la moins chère et c'est ça. Alors là, on a. Là, vous entendez le ventre de Luna parce qu'elle ne mange pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec elle. Alors, attendez, parce que là, j'essaie d'enlever le scotch, mais j'y arrive pas. Ah, voilà. Là. Alors. Oh là là. Regardez ça. Tout plié.
Je vais avoir des bulles, je vais avoir des rivières, certainement. Ouais, c'est pas Jojo, hein. Regardez ça. Ben, regardez, il y avait une personne qui voulait une revue d'un dépôt de cette compagnie, c'est ce que je fais. Alors, je prends une règle, hein. Ouais, c'est dans un état, là. Regardez ça. C'est pas beau. C'est vraiment pas beau. Donc, moi, et l'avant, c'est une horreur aussi. Bandin. Ouais, ça, c'est parce qu'ils emballent mal. Vous voyez dans l'état dans lequel elle est, la fiche. Alors, je vais juste soulever les quatre coins pour l'aplatir un petit peu mieux. Mais franchement, je ne suis pas impressionnée. Faut dire que j'ai tellement l'habitude d'acheter maintenant de la colle coulée. Et il y a des vendeurs, hein, sur AliExpress qui font de la colle coulée. Ouais, déjà, ça aide. Hein, vous soulevez les quatre coins. Ça aide à aplatir la toile. Et là, ce que je vais faire, alors attendez, je vais voir à travers là, au soleil, où est son visage? Je regarde à... Ah voilà, il est là. Alors, il faut la regarder comme ça, la toile. Dans ce sens-là. Mon Dieu, vous voyez là, à la caméra, comme c'est une horreur. Alors, avant de déballer ça, en fait, avant d'enlever le papier, je vais juste vous montrer la toile. Mais là, il y a marqué Evershine. Comme ça. Heureusement qu'elle n'est pas grande, hein, je vous le dis. Là, il y a l'image que je leur ai envoyée qui est très jolie en fait. Hein. Elle est très belle l'image sur la légende. On la voit très bien. Et on a un total de 45 couleurs. Donc ça, je suis contente. Donc on a le nombre de couleurs qui est de là à là, 1 à 45. Les symboles que l'on va retrouver sur la toile qui sont bien bien lisibles, hein, en deuxième colonne. Troisième, c'est le ou la DMC. Je ne sais pas si c'est masculin ou féminin. Et la quantité de diamants nécessaires. Donc, si on regarde les symboles vite fait, est-ce que j'ai une feuille de route? Non, j'ai pas de feuille de route. Donc, il faut se référer à la légende. Alors, au niveau des symboles, on a des lettres, des chiffres. Mon Dieu, le ventre de Luna. Il gargouille fort. Ça se lit très bien. Moi, j'ai aucun souci pour lire ça. J'avoue que oui, quand je travaillais sur la Huacan, la qualité des symboles, ça, c'était un plus. C'était bien, bien, bien lisible. J'avais aucun souci avec ça. Et là, en regardant comme ça, ben, je ne vois pas de souci. Mon Dieu, j'ai l'impression que vous allez entendre que le ventre de Nina. Alors, je vais la mettre sur le côté. Ah, c'est marqué là aussi. Oups, excusez-moi. 45 couleurs, 50 par 40. Alors. Dans quel sens que j'ai dit qu'elle était cette image? Comme ça. Pardon, je l'avais dans le mauvais sens. Elle va comme ça. Alors déjà, je pense que ça va aider d'enlever ça là parce que, ouais, c'est comme j'ai dit, c'est dans un état pitoyable. Donc on va la découvrir ensemble. On va la découvrir d'abord sur le côté et ensuite je vais la tourner pour la mettre. Pour la mettre dans le bon sens. Pas pourquoi les compagnies ne passent pas de la colle coulée. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Alors, comment c'est? Je vais la retourner. Là, voilà. Alors, vous voyez des reflets. Comment je vais faire ça? Attendez. Ok, là, on voit beaucoup mieux. Alors, la taille, je pense que ça va. Ça va être un peu pixelisé, on s'entend, je veux dire, un 40 par 50 pour ça. C'est tout juste, mais surtout pour des compagnies que j'ai déjà testées. Ben, j'ai testé, comme je vous ai dit, Huacan, et j'étais vraiment pas contente. Ça a papé tellement que j'ai dû l'encoller deux fois, je pense. Donc, je m'attends à avoir le même souci avec ça, sauf s'ils ont changé des choses, je ne sais pas. Mais comparé à l'image originale qui est là, ben, ça a l'air d'aller. Comme j'ai dit, ça risque d'être un petit peu pixelisé, mais c'est pas grave. On va voir au niveau de la qualité des diamants, des symboles, tout ça là, mais ben regardez, ça a l'air fidèle à l'image originale. Hein. Je descends encore un peu ça là. Je veux pas trop le descendre parce que ben
Je vais être capable de remettre mon papier convenablement. Mais voilà de quoi ça a l'air. Donc je suis contente d'avoir pris une petite taille comme ça. Ça va être cool. Mais les couleurs, en regardant comme ça, ben c'est vrai que les couleurs, bon, dans la peau, c'est bizarre là. Vous voyez, c'est vraiment bizarre comment ça... les couleurs qu'ils ont utilisées. Mais avec un peu de chance, les diamants ne seront pas de la même couleur que ce qu'on voit en ce moment. On va voir ça en travaillant sur cette toile. Mais voilà l'image. On va regarder la qualité des symboles sur la toile. Je vais peut-être allumer au plafond. Peut-être que c'est ça. Plus facile. Et tout ce que vous entendez, c'est le ventre de Luna. Alors, regardons ça. Alors déjà, c'est imprimé sur le côté. Donc je vais la tourner. Je vais faire gaffe. Donc c'est bizarre qu'ils ont imprimé ça sur le côté. Alors voilà les symboles. C'est ça que je dis, tout est bien lisible. Je me rappelle qu'avec Huacan, un des positifs, c'était la qualité des symboles. Ouais, c'est beau. Dans le verre aussi, c'est bien, bien, bien lisible. Vous voyez, on voit tout, tout comme il faut. Ouais, ça, j'avoue que c'est... Je vois aucun souci avec la qualité des symboles sur la toile. On peut même aller dans les parties un peu plus sombres qui sont là. Là, c'est joli. Il y a un gros bloc. Aïe, aïe, aïe. Ah ben, j'ai perdu ça. Alors, ben, maintenant qu'on a vu ça, je vais remettre mes fiches là. Je vais remettre ça. Et je le remets avec une règle. Et je vais essayer de le remettre le plus plat. Le plus plat possible. Et je vais la garder à plat, cette toile. Aïe, aïe, aïe. Non. Je ne l'ai pas bien remise. Ah, Luna, elle me saoule avec son ventre. On n'entend que ça. Alors, attendez. Vous savez quoi? Je vais poser. Je vais vous reprendre une fois que j'ai remis cette fiche. Alors, j'ai regardé la colle d'ailleurs, hein, avant de remettre la feuille pas la feuille plastique, la feuille glacée là. Il n'y a pas de rivière. Je crois que j'en ai vu peut-être une minuscule vers ici, là. C'est tout. Maintenant, la façon dont j'ai replacé ça, ben, je ne sais pas si plus tard je vais avoir. Je vais avoir des rivières. Mais alors, je ne les ai pas replacées exactement de la même façon dont elles étaient placées. Donc là, vous voyez comme j'ai l'excès de colle. Donc je vais mettre du washi tape, moi, de mon côté. Quand j'aurai fini la vidéo, je vais juste mettre du washi tape tout le long là. Parce que sinon, sur ça, je vais avoir plein de choses qui vont se coller. Mais on a vu l'endo tout à l'heure. Bon, là, il est un petit peu mieux, mais c'est pas jojo. Ben, vous savez quoi? Je vais en mettre maintenant parce que je vais tourner la toile. Alors, j'en ai pris un. Je pense qu'il va être beau celui-là. J'avais fait le unboxing sur un vlog. Et ce que je vais faire du coup, c'est juste enlever ça. Et ça, mettre quelque chose de lourd, mettre ça comme ça pour que ça le maintienne. Et je vais venir mettre mon washi tape maintenant parce que, ben, comme je vous ai dit, sinon ça va être tout collant. Voilà. Nickel. Donc ça va vraiment au-dessus de la colle. Il n'y a pas de colle qui dépasse en dessous en fait, juste là. Il n'y en a pas. Mais ouais, c'est juste que la toile elle est pliée là. Si je vous montre ici, vous voyez, c'est que c'est plié. Il n'y a pas vraiment de bulle. Comme j'ai dit, je pense que j'ai vu une petite rivière, mais c'est juste bien, bien, bien plié. Alors je vais remettre ça et ça avec une règle. Vous voyez, j'aplatis bien avec une règle pour enlever toutes les bulles d'air en fait. Et avec un peu de chance, on n'aura pas de rivières qui se seront créées là. On va voir si on va avoir des rivières plus tard. Alors, je vais tourner ça.
Ah mince, j'ai aussi de la colle qui dépasse ici. Est-ce que vous voyez là? Il faut que je fasse la même chose. Ok, je vais poser la vidéo, je vais faire ça. Et on va ensuite regarder les diamants. Ok, donc là vous voyez que j'ai mis ma petite bande, ben ma petite en fait, non, c'est vraiment, c'est juste parce que ça dépasse de l'image. Il y a à peine, à peine, à peine une mini, mini bande de même pas 1 mm là de colle, mais ça va pas poser problème. Alors, on va regarder la couleur de ces diamants et la qualité. Donc, c'est venu là-dedans. Moi, je pense qu'à l'intérieur, je vais marquer, comment ça s'appelle? Evershine, au Facial Store, là, sur un morceau de papier, parce que je pense remettre les diamants là-dedans. Mais ouais, TH61307. Je sais pas si ça correspond à quelque chose. Ah oui, c'est ça. Ok. Alors. Je vais d'abord mettre les couleurs ici et ensuite on va regarder la qualité des diamants. Beaucoup de jolies couleurs. C'est une des raisons pour laquelle j'ai choisi cette image. J'aimais bien toutes les teintes qu'on avait dessus, dedans. Les teintes et les tons. Alors, ouais, c'est joli. C'est joli, joli. J'espère que je vais avoir une meilleure expérience qu'avec Huacan. Parce que j'avoue que. Ouais. Maintenant, Huacan, je l'ai testé dans mes tout débuts. Hein. C'était en 2000, 2019. Donc, peut-être que ça a changé. Qui sait? Peut-être que ça a changé. Bon, les diamants, je peux vous le dire de suite. C'est pas de la résine, c'est l'acrylique. Je le vois. Hein. Je le vois direct parce que ça brille pas de la même manière que la résine. Hein. C'est plus difficile à dire sur des diamants ronds que carrés. Carré, on le voit de suite quand c'est de la résine ou de l'acrylique. Regardez comme c'est trop beau ça. Je vois pas vraiment de couleur peau, hein, donc je me demande qu'est-ce qu'ils ont utilisé. Vous entendez que le ventre de Luna là. Moi, ça m'énerve. Vous, ça doit vous énerver si vous l'entendez. Peut-être ça, couleur peau. Je sais pas. Ah, peut-être là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Est-ce qu'on a du noir? Oui, 310, on en a un peu là. Ah, peut-être que ça aussi, ça va être dans sa peau. Ouais, ça se pourrait, ça. Ça se pourrait. Alors, qu'est-ce que vous voyez là? Peut-être que je pourrais en mettre un ici. Un ici et un ici. Donc voilà la palette de couleurs qui est magnifique. Oh, moi, ça me plaît énormément. Vous savez que j'aime beaucoup le rouge et le rose. Donc ouais. Palette que j'aime beaucoup. Combien j'en ai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40, 1, 2, 3, 4, 5. Donc je devrais avoir toutes mes couleurs. Bon, maintenant j'ai pas vérifié, je vais pas vérifier le DMC que j'ai sur le sachet contre le DMC que j'ai sur la toile. Mais alors on va prendre celui-là parce que je vois que c'est la couleur principale de ce DP, c'est le 814 avec le 498, que c'est très joli. Ce sont des marrons, mais. Qui ont du rouge dedans. Je vois du rouge. Je vois la caméra, vous le voyez un peu plus sombre. Là, vous le voyez mieux, je pense, avec le flash. Donc, ils mettent le 22, c'est le numéro 22 sur la toile, donc c'est la 22e couleur. On a le code DMC et on a la quantité. Au niveau de la qualité, on le voit de suite que c'est de l'acrylique. On le voit de suite. Et la caméra ne me fait même pas la mise au point. Ouais, on voit que ça brille pas. Ça brille pas du tout. Ben, les endos sont bien plats. Les diamants sont carrés, mais on voit que les côtés des carrés sont rugueux. Je le vois ça à l'œil nu. Vous voyez, c'est rugueux là. On voit que c'est.
C'est droit, mais c'est dentelé pareil. Je sais pas comment expliquer. Je sais pas comment vous. Ça, c'est un autre truc qu'on retrouve, pardon, avec l'acrylique, c'est les endos qui sont piqués. Et étant donné que les endos sont piqués, ils ne sont pas plats, comme ça, ils se rétrécissent. Donc ça, c'est un problème avec les endos piqués, c'est que du coup, on a moins de surface qui va coller à la toile. Donc il y a des endos piqués, il y a des endos qui ne sont pas piqués. Je sais pas quoi vous dire. Je vais aller prendre un plateau. Ok, j'ai pris un gros plateau, ça va être beaucoup plus pratique. On va regarder le 814 parce que c'est la couleur principale. Mais ouais, pour ceux qui veulent savoir, ça c'est de l'acrylique. Ça c'est de l'acrylique. Alors, on va faire des lignes et on va voir comment ça s'aligne. C'est pas beau. Il y a plein de problèmes. Ok, allez, je vais vous montrer ça. Alors, je prends une pince. C'est ça le problème avec l'acrylique. C'est qu'il y a beaucoup de diamants qu'on ne peut pas utiliser. Alors, je vais vous montrer ce que je vois. Déjà, alors, je vais monter la caméra parce que pour moi, ça va être plus facile. Je vais la monter là. Ah non, Luna. Alors, est-ce que vous voyez là les espaces qu'on a ici, ici, ici? Et ben, c'est qu'il y a des trucs autour du diamant en fait qui dépassent. Donc du coup, ben ça crée. Là, on le voit bien aussi. Hein, vous voyez là? Ici, on le voit bien. Ici, on le voit bien. Ici aussi. Et la forme du diamant aussi va vous indiquer que c'est de l'acrylique. Vous voyez là aussi, il y a un espace. Là, on a des côtés qui sont concaves, qui descendent comme ça. Donc ça va créer des espaces. Là aussi on voit quelque chose entre. La taille des diamants n'est pas consistante. Vous voyez que celui-là il est plus gros que celui-là. Celui-là il est plus gros que celui-là. Donc les lignes ne sont pas droites. Ces deux-là ils sont plus gros que le reste. Ouais, c'est pas Jojo. Là aussi, il y a quelque chose qui dépasse du diamant. On va regarder notre couleur. Ça me fait un peu peur pour la pose. Je sens qu'on va encore avoir des diamants qui pop. On va avoir des espaces. Parce que c'est ça. Avec les diamants comme ça, le problème, c'est qu'on va avoir des sections sur l'EDP où ça pop. On va avoir des sections où ça, où il va y avoir des espaces, ça va pas être beau en fait. Mais on va attendre que je la fasse. On pourrait prendre peut-être ça. C'est plus pêche ça. Mais franchement, j'adore la palette de couleurs. Donc au moins c'est quelque chose, c'est quelque chose de positif. J'adore la palette de couleurs. Comme je dis, les symboles sont bien, bien, bien lisibles aussi. Donc j'ai. Vous savez quoi? J'ai hâte de travailler dessus pour voir en fait comment c'est. Je suis vraiment curieuse. Et 40 par 50, c'est considéré comme une petite taille. Donc, alors, comment c'est dans cette couleur? C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Mais on voit encore une inconsistance au niveau de la taille. Regardez comme celui-là, il est plus grand, juste là. Il est plus grand que ce qu'on a de chaque côté. On a encore des côtés qui sont concaves. Mais il y a moins de morceaux qui dépassent des diamants sur ça. Parce que les lignes, eh ben, entre les diamants, on ne voit pas d'espace. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer. Et de toute manière, je vous donnerai mon retour dans les vlogs. Là, la prochaine toile que je vais faire, là, au moment que je filme, hein, parce que je filme le 20 octobre, hein. Il faut d'abord que je finisse ben déjà, je travaille sur toutes mes toiles pour l'événement d'octobre. Ensuite, il va falloir que je termine ma sirène de Craftably. Ensuite, on va passer à une grande toile en diamant rond. Donc, c'est ça, je fais des rotations. Donc, ça risque un peu de prendre un petit peu de temps de voir cette toile sur les vlogs. Mais au moins, vous avez mes premières impressions juste là. J'avoue que c'est bien pratique aussi d'avoir les diamants en sachet refermable et pas dans des ribambelles. Parce que les ribambelles, ça prend encore plus de temps à organiser dans les petites boîtes. Là, vous savez que je ne travaille pas de sachet refermable. Je transfère tout dans des petites boîtes. Donc, ça, c'est un autre plus.
Et ouais, négatif, c'est les diamants acryliques, hein, qualité des diamants. Ça va être à voir, ça. À voir lors de la pause. Donc voilà. Le lien vers cette boutique sur AliExpress sera sous la vidéo. Et plus particulièrement, le lien où vous pouvez faire les persos. Je mettrai aussi le lien vers l'image de haute résolution si ça vous intéresse de la prendre pour la convertir en diamond painting. Mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas de les laisser dans la section des commentaires sous la vidéo ou de m'envoyer un email et j'y répondrai quand je pourrai. Mais merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Bye bye.